là, c'est 3 partout, IP27.4, ce qui correspond aux améliorations nécessaires pour gagner la voiture. Donc je suis un peu en avance par rapport aux améliorations pour cette épreuve. Il s'agit donc de l'épreuve 10-3. Et l'IP requis, c'est 22,5. Comme vous voyez, je n'ai pas encore gagné. J'ai déjà fait plusieurs tentatives, c'est une course rapide, je n'ai pas encore gagné.
fait, à certains points clés, il valait mieux beaucoup plus freiner pour mieux accélérer, en fait. Cette première section, c'était primordial. Ensuite, là, il valait mieux bien freiner d'abord pour mieux contrôler sa accélération. Et là, c'est pareil. Bien préparer son freinage pour pouvoir accélérer jusqu'ici. C'était risqué qu'il me fasse une coupe, qu'il m'accroche par l'arrière. Second et lui le premier, on est dans la dernière ligne droite. Comme jusqu'à la corde, super rapide. Course 12-3, comme vous voyez, pour l'instant je suis second, c'était ma première et unique tentative. Et l'hyperhockey c'est 24,3.
J'ai un IP de 27,4. Alors je révise la voiture. Thank you.
très facile de se faire chipper la victoire avec ce dernier virage à gauche traître juste avant la ligne d'arrivée. Voilà donc la prochaine.
freiné bien trop tôt. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord, j'appuie sur partager.
Alors, Canarim, c'est facile, hein. Il suffit de prendre la tête. Après, comme le circuit est étroit, c'est très difficile pour lui de doubler, sauf à certains endroits clés que vous devez certainement connaître. Et voilà, il s'agit donc de la dernière course pour gagner la Porsche 718 RSK. L'IP requis correspond à l'IP de la voiture qui est obtenue avec des améliorations à 3 partout. C'est en rouge, mais c'est 0 de perte partout. Enfin. Et un centième à l'accélération et un dixième au freinage, mais c'est pas grave. Je la révise pas.
Et voilà. Alors, voyons un peu où est-ce. Donc, quelle série elle court? Donc, comme vous l'avez vu, une série a été débloquée en master. Et elle est seule dans la série. Voilà, tiens, d'ailleurs, elle est à côté de l'autre Porsche, mais plus récente, de format barquette, la Berg Spider, qui court seule aussi dans sa série. Peut-être l'occasion de faire une vidéo. Et ma prochaine vidéo en direct, mon prochain live stream sera certainement, ben, je l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises, sur la série exclusive de la Ferrari Testarossa. Voilà. Pour gagner 50 pièces d'or. Voilà, ben en attendant, je vous laisse. Il est 5 h du matin. Et je vous dis à la prochaine.